Je reviens de la poste parce que j'avais fait une commande dynamite. En fait, j'avais juste commandé ce petit chandail-là. My little black sweatshirt. Frédéric le trouve drôle. Mais bon, je l'aime fou. C'est comme style coton ouaté, mais c'est pas un coton ouaté. Il ressemble à un coton ouaté, mais c'est pas un coton ouaté. Puis il y a les manches longues. Comme ça. Fait que là, je vais vous montrer ma superbe liste de choses à faire pour les fêtes. Ici, c'est comme pour le 24 décembre. Ici, c'est avant d'aller à Richmond, chez mon papa. Et ici, c'est les cadeaux. Dans le fond, ce que je vais faire maison, qu'est-ce qu'il faut aller chercher. Fait que là, on a les bangs de fête. Puis là, aujourd'hui, je veux m'enclencher les cartes. Après ça, j'aimerais peut-être ça faire mes exfoliants aujourd'hui aussi. Puis on va vérifier là, pour nos échanges de cadeaux. Dans le fond, on a deux échanges de cadeaux cette année. Fred, il y a un cadeau de fête. Mais je pense qu'il manque un petit montant à rajouter. Là. Fait que c'est ça. Puis je vais essayer de laver mes pots pour faire mon caramel fleur de sel pour que demain on puisse les stériliser après les avoir faites. Là, dans le fond, demain, j'ai une échographie pour vérifier le liquide amniotique de mon bébé. Fait que, je sais, là, il y en a beaucoup qui me disent genre, oh, Catherine, des fois, l'essouffler pis tout, là. Mais je sais pas si je l'ai dit dans un vlog, en tout cas, je vais pas trop me répéter puis avoir l'air fatigante avec ça, mais quand t'es petite, en grandeur, j'ai le tronc super petit, fait que mon ventre, il est à côté. Sur mes seins. Donc, ça veut dire que ma cage thoracique, elle a vraiment pas d'espace pour mes poumons. Ce qui fait en sorte que même si je respire normalement, mon souffle est court. Il sera jamais. L'amplitude de ma respiration sera jamais normale. Tu sais, sera jamais comme quand je suis enceinte. En tout cas. Que j'ai tellement l'air fatiguée ces temps-ci, là. Pour vrai, là, j'ai l'impression que là, le stress y a lâché, là. Depuis que Fred est revenu, surtout depuis... Non, en fait, depuis qu'il est revenu tout court, mais depuis la fin de semaine après, là. Mettons, depuis le lundi, puis les deux derniers jours ont été difficiles pour moi. Je me sentais pas full bien, là. Puis c'est la même chose aujourd'hui. C'est ça, tantôt, dans le fond, j'ai bu mon jus ici pour le test de diabète, puis j'allais tout de suite après faire prendre ma prise de sang. Puis là, j'en ai parlé vite parce que ben ça m'inquiète quand même un peu, là. Je trouve que le bébé a l'air plus bas. J'ai eu beaucoup de choc au col, puis je commence à avoir des Braxton Hicks. Fait que là, elle m'a dit, d'après moi, c'est ton corps qui te dit, Catherine, il est temps de relaxer. Ton chéri est revenu, alors repose-toi. Parce que là, je veux comme... C'est ça là, c'est Noël, fait que là je vais comme tout faire, mais je peux pas, tu sais, c'est... Faut que je me calme, bon. Fait que c'est ça, je vais faire mes cartes de Noël aujourd'hui, ce qui est quand même assez relax. Puis j'aimerais ça prendre des photos des tirages, parce que je suis aussi en retard pour mettre mes tirages en ligne. Fait que là, je vais faire tirer un agenda 2017, ben 2016-2017 là, mais... Voilà, et... Deux guides comme ça, dans le fond, qui s'appellent Petites mains, grandes assiettes. Puis c'est un guide de DME. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? C'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Ce qui veut dire qu'on n'intègre pas les purées, mais bien qu'on donne des petits morceaux à l'enfant puis qu'on le laisse découvrir et manger seul. Ce que j'ai appliqué pour Olivier et Étienne. Fait que, ils vont en avoir deux à faire tirer. Puis je vais probablement faire une vidéo là-dessus éventuellement. Tu peux rentrer, chérie? Tu peux rentrer? Hi. Hello. J'ai non mais nous entendre. On revient de mon écho. Puis flash écho.
flash écho, hein, parce que ça a été vraiment pas long. Là. Ça a pris comme 3 minutes. Ça a été plus long. Okay. Ça a été plus long m'installer sur le lit que. Tout est beau pour bébé. J'ai pas plus de liquide que la normale. Puis j'ai un bébé dans les 65e percentile. 50 percentile, c'est environ 7 livres. C'est ça, 7 livres et demi. 7 livres et demi. Fait que moi j'ai 65 percentile. Fait que ça va être plus un bébé de 8 livres et demi. C'est ce qu'il m'a dit. À terme, j'imagine. Fait que. C'est la tendance, ça va être. Ouais. Fait que ça va plus ressembler, je pense, au poids de. Olivier avait, là. Ben, il était quand même gros, par exemple. Il était 8 livres et 13, puis j'ai accouché à 30 une semaine. Fait que là, je veux pas m'attendre à accoucher d'avance, mais d'après moi, mon corps va être prêt avant si le bébé il est plus lourd, hein, parce que c'est ce qui est arrivé avec Oli. Mais bon. Fait que la hauteur utérine qui est plus grande, c'est probablement juste à cause que le bébé est plus gros. Là, on s'en va chercher nos deux cadeaux d'échange pour l'échange du côté de l'échange du côté de Fred, mais la journée qu'on reçoit. On va aller faire ça. Puis faudrait checker ici. Premier sortie 58 va nous rejoindre QC40 ouest vers QC73 sud. Puis rester à gauche. Puis après on retourne à la maison, je pense. Il est 11h du matin. Bienvenue Florentine. Et Catherine est en train de prendre la photo. T'es-tu contente? J'ai faim. Un repas en amoureux. Alors, on est de retour à la maison. Je suis en train de faire le souper. Je fais des champignons avec des oignons, de l'ail, vinaigre balsamique, persil, sirop d'érable et de l'huile d'olive. Puis ici, j'ai mon riz qui est prêt. Je vais le sortir. Puis dans le four, j'ai des poitrines de poulet du Costco. Wow! Ça! Fait qu'on est allé chercher les enfants. On est de retour à la maison. Puis on est allé poster nos cartes de Noël. Fait que je suis bien contente que ce soit fait. En revenant, les filles ont écrit leur liste au Père Noël parce que, croyez-le ou non, on l'avait pas encore faite. Puis c'est des listes que j'ai trouvées sur Confetti et compagnie. Je pense que je vous en ai parlé dans mon dernier live Facebook, fait que de la semaine passée. Puis je vais avoir un bingo de Noël à leur faire faire aussi, qui vient de cette boutique Etsy. Fait que vraiment cool. Puis sinon, tantôt, je vais faire mon exfoliant maison, puis je vais faire le caramel fleur de sel pour pouvoir m'avancer dans mes trucs à faire parce que ça l'avance pas vite, je trouve. Que j'ai pas beaucoup d'affaires de cocher. J'ai carte de Noël, cadeau d'échange de Fred, les beignes, acheter deux cadeaux d'échange. C'est ce que j'ai décoché. Fait que là, tantôt, je vais cocher caramel, je vais cocher mes exfoliants, emballer les cadeaux des professeurs. C'est pas mal ça pour l'instant, je pense. Sinon, j'ai acheté des trucs pour faire du fudge, puis faire les petites bouchées là, que j'avais essayé. Finalement, je vous les ai même pas montrées, mais je vais vous avouer que quand on vient les faire, c'est vraiment pas... la texture est pas super, là, ça colle comme pas ensemble. Mais dès qu'on le met dans le congélateur, ça vient super beau. Donc ça ressemble à ça, les genres de petits biscuits là, à la paraffine que ma grand-mère fait. Au chocolat, beurre d'arachide. Puis moi, j'ai ajouté des morceaux d'arachide aussi à l'intérieur. Puis on a fait aussi tantôt les super Rice Krispies de Noël. Puis là, c'est ça, j'ai sorti mon huile de noix de coco. J'ai sorti du colorant mauve. Puis mon huile essentielle de lavande pour faire l'exfoliant tantôt. Hello! T'as-tu passé une belle journée? Oui! C'est quoi t'as fait aujourd'hui à l'école de spécial? Merci!
Regarde la caméra quand tu parles. J'ai fait le bazar! Cet après-midi, puis ce matin, t'avais quoi? Ce matin... Une marche? J'avais une marche de Noël. Puis demain, c'est quoi? Demain, c'est journée pyjama. Mm-hmm. Et on va finir à 1h30. Et moi, j'aurai le droit de porter mon pyjama, oui. Mon toutou. Ouais, c'est cool, hein? Maman, puis tu auras du popcorn? Oui! Mm-hmm. Oh, en plus! Alors, on vient de finir notre batch d'exfoliant. Puis en plus... Annabelle et Florence m'ont aidé. Oui, puis en plus, ben, quand que vous le mettez dans les mains, ça fait tout comme votre peau est douce. Mm-hmm. Douce, très douce. La recette est dans une vidéo qui s'appelle 4 idées cadeaux dernière minute sur ma chaîne principale. Dans le fond, dedans, il y a de l'huile de coconut. Là, cette année, on a mis de l'huile d'olive. On a mis ça comme colorant, fait en gel. Puis on a mis l'huile essentielle de lavande. Mais vous pourriez le faire à n'importe quelle autre huile essentielle aussi. Là. Puis on a mis des beaux petits couvercles mauve. Donc voilà. Tantôt on va les décorer ou demain. En tout cas, mais qu'on ait le temps. Alors, c'est bon le souper? Oui! Oui, on a sorti les betteraves, les petits cornichons sucrés. Puis moi, j'aime pas ça, les cornichons. Non, mais t'es pas obligée d'aimer ça. Fait qu'on va manger. Hello! On a terminé de faire une partie de ce qu'on va donner en cadeau. Donc, Catherine a fini de faire les fudges au chocolat. Comme vous voyez ici. On a des carreaux Rice Krispies. Qu'on va garder pour notre propre consommation. Catherine a fait des exfoliants maison. Qu'elle a mis dans des beaux petits pots maçon mauve. Ensuite de ça, on va offrir à chacune des professeurs Annabelle et à Florence des petits cadeaux. Ça va être pour la professeure à Florence, ça va être pour la professeure à Annabelle. C'est comme des... Tu peux le virer l'autre côté, on va mieux voir. Bon, des étampes pour la professeure, pour qu'elle puisse étamper les travaux des étudiants avec une petite boîte du traditionnel chocolat. Ça vient de ce site-là, pour ceux que ça intéresse. Chaque jour compte. Je crois que c'est comme ça que je vous... Chaque jour compte. Ça vient de qui, ça? Ces idées-là? Le bar à idées. Fait que ça va être nos petites étiquettes qu'on a de faire, puis les petites cordes de couleur. À part ça, à part ça, ben là, il nous reste à mettre les photos de famille dans les cartes. On est en train d'envoyer. Ben, dans le fond, on a déjà envoyé nos cartes par la poste. Ouais, ceux-là, on va les donner à main propre. C'est ça. Puis, on va ajouter aussi les photos d'école des filles. Voilà. Parfait. Puis là, Fred, il faut qu'il aille faire une commission. Ah, c'est moi qui y va, finalement? Ben, ok, je vais y aller. Non, alors, la batch de caramel est là. On a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 pots de différentes grosseurs. En fait, on a deux comme ça. Qui sont des 125 ml, je crois. Celui-là, j'ai aucune idée. C'est quelle grandeur? 250. Puis, les pots comme de grandeur standard, là, que j'ai aucune idée aussi c'est quoi. Ça doit être 300. Facile. Bref, on a un comme ça, 12 comme ça, je me souviens même plus combien j'ai compté, en tout cas, c'est pas grave. Puis ici, les cadeaux des profs sont emballés, voilà, puis on n'a pas emballé le reste, là, on n'a pas eu le temps, puis là, il est déjà rendu 11h53, donc on va aller faire dodo. Fait que merci d'avoir écouté le vlog, puis on se dit à demain. Bye! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!